Dans un canari qui est au village. Oui, vous serez délivré. Ok. Regardez la puissance de Dieu vous libérer. C'est un combat. C'est pour ça qu'on venait ici, soyez patients. Si vous voulez que qu'on fasse. Nombreux. Sujet par sujet. On va pas à pas pour régler les problèmes. C'est pour les sorcelleries. Ils ne sont pas comme les gens, ils font tout à la fois. Ils sont bishops. Ils sont évangélistes, ils sont archibishops, ils sont docteurs, ils sont délivreurs, ils sont tout. Nous, notre spécialité, frère, c'est combattre la sorcellerie. Moi, c'est ma spécialité. Amen. Il y a d'autres mains, ils disent, ils ont chanté donner l'argent aux gens. On est Guinabori. Et ils ont l'option de donner l'argent. Ah, vous savez, sorcellerie, là, c'est le sorcier qui garde l'argent. C'est le sorcier qui garde la fécondité, c'est celui qui garde tout. Amen. Une fois ton sorcier est combattu, c'est fini, t'es délivré. Moi, c'est ma spécialité. Pourquoi tu parles des sorciers? Mais ils existent. Ils existent. Ils font assez de ravages, dépouillent les gens. On va aussi les combattre. Dieu va te délivrer. Amen. Dieu, il est pour nous sur sa force. Comprends? C'est à cause de nous, Jésus est monté là. Ça continue de venir. On nous délivre. Jésus est capable de délivrer. Le miracle existe dans le Seigneur. T'as vu le dimanche passé, il y a une dame, ça n'allait plus chez elle, le sorcier avait pris sa trompe. Le sorcier avait totalement délivré. Et la femme, miraculeusement, elle a été délivrée. Elle a eu un enfant quand on l'a présenté dimanche. Il y a une femme aussi qui ne voyait pas ses menstrues. Donc on priait pour elle, la sorcière, on a mis de l'huissier. Quand elle est rentrée à la maison chez elle, la sorcière est venue faire des aveux. Elle a pris la grossesse, elle est venue témoigner ici. Je pense qu'elle reviendra aussi avec le bébé pour que nous bénissions le Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Il s'en fout de l'âge. Amen. Il s'en fout. C'est les scientifiques qui disent non. Tu as dépassé l'âge, la bébé, tu sais, la ménopause. La ménopause, merci. La ménopause, Dieu s'en fiche de ménopause. Il veut te faire le miracle. Il le fait. Dieu confond par moments les scientifiques. Les médecins, il les confond. Ouais. Parce que le miracle, il est surnaturel, il n'est pas naturel. Il est surnaturel. Et c'est un mot français. Il le sait. Quand on parle de miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Il n'est plus naturel. Or, quand on parle de ménopause, c'est naturel. Et tout ça, on dit non, tu ne peux plus féconder. C'est ce que la science dit. Mais tu as un dernier mot. Ou dans le langage de Dieu, l'impossible n'existe pas. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Ce qui est impossible n'existe pas. Vous voyez Jésus-Christ, dans cette révélation, il dit, tout est possible avec Dieu. Tout est possible. C'est-à-dire le miracle de la fécondité est possible. Le miracle de la délivrance, c'est possible. Tout est possible. Même le mariage, c'est un paquet où il y a tout dedans. Jésus. Amen. Or, quand Dieu te révèle cette situation, c'est qu'il est capable de te délivrer. Amen. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Dieu va te délivrer. Amen. Vous êtes venu ici pour que Dieu vous donne votre position. Amen. Amen. Ça, c'est important. Tout à l'heure, on aura l'occasion de prier pour ça.
Parce que par moment, le diable détruit votre étoile. Il détruit. Tu as le talent. Tu es une femme bien. Tu as l'argent. Tu es appelé à avoir de l'argent. Il détruit tout ça. Et tu as l'impression que tu tournes en rond. Ce matin, nous allons vous donner le trône. Le diable, il est obligé de te donner le trône. Amen. Vous savez, Dieu nous a créés en tant que roi. Or, un roi sans trône n'est pas roi. Amen. Amen. C'est ce que David cherchait, le trône. Or, il y avait un sorcier, Esaïe, qui était sur le trône d'Israël. Il était sur le trône d'Israël. Or, David était appointé comme roi. Il a eu l'onction royale. Mais puisque Saül était sur le trône, le même Saül cherchait à le détruire. Il y a des gens qui sont allés s'asseoir sur votre trône. Ils sont allés s'asseoir sur vos richesses. Ils sont assis sur votre fécondité, sur vos richesses. Il faudrait qu'ils cèdent. Ils vont céder. C'est forcé. S'ils ne cèdent pas, ils vont tomber. Amen. Saül ne voulait pas, il est tombé. C'est quand Saül est mort que David est devenu le roi d'Israël. Amen. Ils tomberont tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. C'est pas toi, mais c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu a vu ta souffrance. Comme s'adresser au peuple d'Israël, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Amen. Dans le secret, Dieu a vu ce que les gens t'ont fait dans le secret. Il s'est levé pour te délivrer. Cela ne dépend pas de toi. C'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te délivrer. Le petit n'est pas dangereux. Tu te libères par la puissance qui est dans le sang de Jésus. J'ai une souris, petite souris comme ça, qui est dans ton ventre, qui ronge, qui tourne dans ton ventre. C'est un truc mystique. Mais Jésus-Christ te délivre ce matin. Je combats vos œuvres. Au nom de Jésus, lâchez-la. Vous la libérez et maintenant, c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâchez-la. 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 Faites chaud. Mettez pied. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Dieu. 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 Te délivre maintenant. Sa puissance te libère. Et je te délivre au nom de Jésus. Je te délivre. Je te délivre au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Je te délivre. Oui, oui, je libère toute ta vie. Je libère ton argent. Je libère ta vie au nom de Jésus. Lâchez-la. C'est un homme. C'est un homme. Lâchez-la. Feu. Le feu. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes. Lâchez-la. Libérez-la maintenant même. C'est un ordre. Vous lâchez totalement sa vie. Dans le nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Lâchez-la. Allez. Oui. C'est pour cela que Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre maintenant. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. La puissance de Dieu libère ton argent. Libère la puissance de Jésus-Christ. Te libère maintenant. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère maintenant. Sa puissance te libère maintenant. Maintenant. Reçois la délivrance. Maintenant. 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 Les chaînes tombent. Oui, les chaînes tombent. Oui, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes.
Les chaînes sont en train de tomber. La puissance de Dieu te libère. Les chaînes, au nom de Jésus, je te libère ce matin. Dans le nom de Jésus. Lâchez son ventre. Je libère ton ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment? Au nom de Jésus. Tu vas la lâcher? Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu m'entends? Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Oui. Tu vas la libérer. Oui. Oui. Tu m'as entendu? Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche tous ses biens. Lâche tous ses biens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Libère-la. Fais le feu sur toi. Le feu dans le ventre. Je libère ton ventre au nom de Jésus. Je libère ton ventre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je délie ton ventre maintenant même. Je libère ton ventre. Comment? Jésus-Christ te délivre maintenant. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Tu avais programmé la mort sur elle? C'était pour quand? Viens, viens. Tu avais programmé la mort sur elle? C'était pour quand? Pour décembre. C'était pour décembre. De combien? Le 22. Le 22. C'est le 22 décembre. Elle. C'est le 22 décembre, n'est-ce pas? Elle et mon papa. Ton papa. Avec ma maman. Ma maman. Et mon petit frère. Et ton petit frère. Vous allez mourir en cancer comme ça. Commencez par elle. Et son papa va le suivre en janvier. Et le reste allait suivre. Elle, ta maman. Chaque personne que tu as programmée. Ton nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pépi Alain. Alain. Lui, son travail où il était. Oui. En 69, il s'est parti chier. Et sa tabouille pour lui, ses dossiers. Oui. Puis son patron est venu à la maison, était sale. Oui. Et puis il est rentré dans son patron. Tu es rentré dans son patron. Mmh. Et puis son patron a commencé à le citer. Il le citait, jusqu'à. Après, il lui a dit dans le travail, il est renvoyé. Et moi, il parlait, ce n'est pas son patron qui parlait. Mais comme lui aussi, un bouddhiste ne voit pas là. Il n'a pas su. Mmh. Et puis il l'a renvoyé. Je sais pas qui a fait ça. Mmh. Et puis sa femme était enceinte. Chaque nuit, quand il sort de mon corps, il fait appel à mon chapelet noir. Quand ça vient, il danse au tout d'un. Il finit de danser, il rentre dans son corps. Et puis même amuser son bébé dans son ventre là. Ça fait que. Quoi, ça, c'est là. Elle puissante. Elle puissante. C'est toi qui fais ça dans le ventre. Mm-hmm. Je ne vous ai pas dit dangereux. Dans le ventre. Et puis, il y a mon frère encore. Il s'appelle Cédric. Il est à Abidjan. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie, d'autres, c'est parce qu'ils ne sont pas victimes. Ils n'ont jamais été victimes. Si Dieu vous ouvrait les yeux pendant 5 minutes et que vous découvrez le monde des ténèbres, vous allez vous jeter dans ce combat. Vous allez vous mettre dans ce combat. Allons-y. Le vaisseau le renvoie maintenant, il ne sait pas pourquoi. Il dit, monsieur, dégage. Lui, son nom, il est présent, il est liste. Ils sont 100 personnes. Mm-hmm. Il n'était pas des deux, j'étais 99. Il n'est pas différent, il était parmi les 100. Tu as arrangé? Non. Ah oui, tu ne travailles pas. Je n'ai pas saisi. Il a renvoyé. Ah non, on devait être en 99. Et puis tu as dit, bon, il y a un là, quoi que je pense à. Et puis, c'est méchant quoi, c'est là la méchanceté. Il y a mon frère, le grand frère de ma tante.
Elle est obligée de t'emmener dans sur la liste. Lui-même, il contrôle la liste. Il dit non, mon nom doit être là. Hein? C'est foutaise. Il va sur la liste. À cause de quoi il fait ça? Dans notre famille, il n'y a pas que les gens. Oui, il sait. Il sait. Il a un canari, il a mis tout le monde dedans. Ça, c'est ça. C'est ça, non? Tu as enterré le canari, c'est ça? Oui. Ok. Et puis, il y a mon frère. Mon grand frère a pu dire au revoir. Il s'appelle Sego, le fils de ma tante. Lui, comme ici, j'ai envie de lui, hein, son intelligence là. Je suis parti la nuit, et puis il a enlevé ça. Il a pu me chapeler, moi. Puis il a récité toutes les deux choses qui étaient là-dessus. Et puis il a dansé à côté de lui. Et puis il a passé ma main comme ça. Et puis il a attrapé le chapelet. Et puis il a récité. Parle fort. Il a placé ma main comme sa tête. En ce moment, lui tombait. Et puis moi, j'étais arrêté avec un chapelet. Je récitais. Et puis je parlais. Et son intelligence n'a pas béni. Son intelligence n'a pas béni. Ça n'a pas béni. Il parlait sans bébé. Jusqu'à. Ça sorti. Quand ça sortit, ça fait. Il ça fait. Vous allez utiliser la vidéo. Arrêtez. Un bruit et puis c'est sorti. Donc quand c'est sorti, il y a un bruit. J'ai ouvert mon secteur rouge. Et puis ça, quoi. Et puis la même nuit encore. Je suis parti chez ma soeur, elle s'appelle Anna, le fils de mon oncle. Mon oncle, lui aussi, il est programmé. Il va le tuer aussi. Il change. Sur cela, vous, là, vous devez financer notre ministère. Vous venez, vous pouvez faire prier pour nous, vous partez. On a vu les prières pour nous, vous êtes partis. On devait financer notre ministère. Ah, vous allez prier quel jour? Non, vous serez délivré. Vous serez délivré. Il y a plein de gens qui sont passés ici, on les a pas sur des problèmes. Même bonjour, on ne dit plus. Et ils vont financer dans les ministères bizarre. Amen. Or, ce ministère, vous avez besoin de financer ce ministère. Je remercie un monsieur qui vit en Allemagne, je ne vais pas tomber son nom. Non, il ne savait pas, il a envoyé des choses, tout matin, il fait sortir du port. Il est impliqué dans ce ministère. Il se voit dans les. Je ne l'ai jamais vu, même sur le Skype. On ne s'est jamais vu sur le Skype. Son téléphone, ça. Mais il s'est dit, il faut qu'il investisse dans le ministère. Même M. Bangkok, il va prier pour lui. Amen. Je dois prier pour lui. Parce qu'il fait avancer le ministère. Alléluia. Investissez-vous dans ce ministère, vous allez voir. Vous allez devenir ami de ce ministère. Et ça, c'est important. Parce que le diable endeuille beaucoup de gens. Ils ne sont pas véhiculés. Il y a plein de choses qui nous manquent. On a besoin d'aller dans les villages pour délivrer les choses des gens. Amen. Allons-y. On va pour faire. S'il n'est pas là, vous allez me délivrer. Vas-y. Je t'appelle pitié. Quelle pitié? Quelle pitié, les gars? Non, il y a ma soeur encore. Elle a pitié en bas. Mon oncle, son papa, lui, un jour, il est parti à l'école et puis m'a donné 200 devant pour mon déjeuner. Il n'est pas déjeuné. Non, c'est pas ce que je l'entends. Il y a quelque chose que tu as fait. Non. Ton esprit, là, tu l'as mis dans cette fille. Le petit, il est intelligent. Ça dit, lui, il est venu, il n'est pas, son esprit de sorcellerie, là, il l'a introduit là. Frère ou faux? C'est pas ça? C'est ça. Hein? C'est ça. Hein? Hey, moi, je pense que ce qui t'allait dire pour dire. Mais c'est ce qu'il a dit. Oui. Son esprit de sorcier n'est pas là. Comme c'est un quartier général, il a regardé, il a étudié. Vous savez, il y a des gens qui ont eu l'onction d'huile. On va pas vous toucher. Oh, c'est de ça. Parce qu'il sait. Il sait qu'il essaie. C'est pour ça qu'ici, il dit pourquoi me toucher. Oh, j'ai pris l'argent de quelqu'un. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Oh, ce qu'il a fait, il est là. Et son esprit de sorcellerie, là, il a mis ça dans la vie, dans la fille. Il a ce pouvoir là de se dédoubler, ça dit. Être là, puis prendre son. Il rentre dans le corps de quelqu'un. Vous avez tout à l'heure expliqué. Et moi, je le sais. Il peut, pendant que tu entends les faits, il peut rentrer dans ton camarade, ton ami intime, et puis le monsieur t'empoisonne. Il te tue. Il a ce pouvoir là, lui. Hein? Oui, il est licencié. Oui, il est licencié.
Il a ce pouvoir. Or, elle aussi, elle a fini à manger âme. C'est le quartier général. Vous voyez ce quartier là? C'est un quartier général. Ils sont les délits. C'est si Yola attend, tu seras délivré, d'accord, Marie. Tu seras délivré. D'accord. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Hein? Envoyez-la une chaîne ici. Envoyez sa chaîne ici. Tu sors ici. Amen. 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 Si vous marchez avec un homme de Dieu, il ne voit pas clair, quittez-le. Non, je vous dis la vérité. C'est la vérité. Non, je vous dis aujourd'hui la vérité. C'est la vérité. Parce que si je ne voyais pas, moi, mes serais déjà mort et vous me serez déjà détruit. C'est pour ça que Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous deux dans le même fossé. Sors en train de manier ton cerveau, ta migraine. Rien. Non, c'est migraine. Oh, sorcier a mangé le cerveau. Amen. Amen. Et ça, ce que je ne sais pas, j'escale. C'est le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Il a dit, si je parle, tu vas me délivrer. Oh, je voulais qu'il touche la chose et pas d'autre chose. Et ça, ce que tu as fait, petit. J'ai fini un saint. C'est la grâce de Dieu. Je rentre dans un village, vous êtes sans sorcier. Je vous fais sortir. Amen. Pour rentrer dans un trou, j'ai été fait sortir. Amen. Dieu m'a donné ce pouvoir. C'est pas de la tête. C'est pas bouche, c'est pas tête. Parle pas. Dieu m'a donné l'onction pour détruire le royaume de la sorcellerie. Amen. Moi, j'attaque la sorcellerie. Voilà. Je suis contre la sorcellerie. Il m'a fabriqué à cause de ça. Amen. Voilà. J'ai un détecteur dans ma tête. C'est tout. Depuis 3h01 la nuit, j'ai tout scanné ici. Scanné. J'ai vu qu'il y a un petit danger, j'ai géré ça à ma délivre. D'accord. Et c'est comme ça. Je jette tout. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Soyez sereins. Vous marchez dans le Seigneur. C'est tout ce que je vous demande. T'es pas crasso. Vous marchez dans le Seigneur. Donnez-vous à Dieu. Amen. Amen. Moi, je prie Dieu, je prie Dieu. Je ne suis pas Dieu. J'ai cette foi en Dieu. Dieu m'utilise pour vous faire découvrir sa puissance. C'est tout, ça s'arrête là. Mais vous, confiez-vous à Dieu. Il ne vous lâchera jamais. Amen. Il ne vous lâchera jamais. Amen. Il dit, j'en ai celui qui m'honore. Si tu veux mélanger les deux choses, Dieu et Satan, Dieu te lâche. Amen. Parce qu'il est jaloux. Amen. Alléluia. Dieu est puissant. Quand tu es petit comédien, toi tu vas dans les camps de prière, ça c'est là-bas tu vas jouer ici. Ici. Il dit, ici on ne joue pas. T'es soleil divin, soleil spirituel. Tu vas faire ça ici. Tu as fait comment pour entrer dans la vie? C'est le premier jour aussi. Non, c'est pas le premier jour, c'est hier que tu as fait. C'est hier. Tu as fait ça. C'est pas le premier jour, c'est hier. Attends, laisse-moi te dire, te parler de cheminement, la chose que tu as fait. On dit que je t'ai vu. Quand tu as pris le temps de piège et tu savais qu'il allait te traquer ce matin pour ne pas détruire le pouvoir, tu es venu, tu es rentré la fille. Oui. Or, si je ne vois pas clair, elle a accusé la fille, c'est elle qui a mis. C'est pour ça que les sorciers, souvent, ils prennent, ils font sorcellerie, puis ils mettent leur habit sur toi. Ils te portent habit sous ton des sorciers. Puis les sorciers, la courbe, ça, je crois, et tout. On dit, ça dit, sorcier, je ne suis pas sorcier, je dis, ça qui là, tu crois, je dis. Maintenant, tu oublies de lui. Mais le sorcier va te tuer. Oui, je suis sorcier. Oh, ils t'ont porté leur soutane. Ouais, il faut avoir l'onction pour travailler, éviter ce travail. Pas de l'amusement. Ce n'est pas matin qu'on dit, j'ai fait sorcellerie. Et les gens font le ministère, ils parlent, non, Dieu, il te dit partout. Mais sur ce terrain-là,
Il faut être comme un l'onction de la puissance de Dieu. Si on est toujours en guerre avec eux, c'est ça qu'on devait prier pour nous. Grâce au conseil, doit avoir peut-être 20 et 100, toi, tu vois. Et dans le monde, on dit Amen. Oui. Si on est beaucoup, on a la zone, on a la tout le pleu. Les guéris l'ont fini, sorcellerie. J'ai envie de visiter les la guérie. Et puis du nord. Ouais. Amen. Il a fini, les mille semaines, on l'a fini. Oh, moi, il l'a déjà vu. Comme ça, j'ai vu, il attaque la fille. Parce que l'esprit qui est en lui, il est en cette fille. Tu vois, donc, je vais me tromper des personnes. Oh, lui, il a déjà fini son jeu, il est là. Il est là, la scie, il regarde, il la scie. Il est scié. C'est un mystère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu donne la, cette onction. Et ça, c'est important de voir. Et c'est important. Ça s'impose à nous. Alléluia. À cause de la présence de la société. Ça va aller, ma fille. Ça va aller. Il a fait ça à 2h du matin, 2h15 du matin. Il a fait. Là, il a reçu son opération vers 1h, il a fait son. Et puis à 2h, il tournait. Et puis il est venu entrer dans cette fille. C'est devenu comme bagage encore de sorcellerie. Amen. Parce qu'elle est sorcière. Mais vous ne pouvez pas jouer à vous. Amen. Vous avez la main de Dieu sur vous.